Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. Et la tension est palpable ici avec ce match qui promet d'être très intense. Bournemouth. Encore un nouveau match à vous proposer. Un match de football, ce n'est jamais pareil. Le suspense est toujours garanti. On connaît leur capacité à presser leurs adversaires. Ceci ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. Le ballon pour Zenili. Ah, le ballon est intercepté. In extremis, magnifique. Le ballon sort en touche. C'est une transmission bien coupée. Ah, dommage, ballon perdu. Il ne faut pas avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Très bon timing sur cette interception. Ah, il y a un dégagement à cause de l'excès. Exercée par l'équipe adverse. L'action se poursuit. Oh oui, la frappe. Oh, l'intervention du gardien. Du coup, il faut faire attention derrière. Enfin, l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Et le ballon rendu à l'adversaire.
Ouais, c'est bien vu ça. Bonne interception. Ouais, c'est un pressing efficace. Un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Pourquoi pas, il faut essayer. Il revient fixé à l'intérieur. Et il prend sa chance. Très bonne frappe de quelques centimètres à côté. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Ah, il s'est pas avoué vaincu. Bien fait là. Et voilà, directement dans les mains du gardien. C'est un match sage, beaucoup trop sage. Les équipes manquent d'audace, de folie. Il faudrait mettre beaucoup plus de rythme dans les prises des balles et les frappes. Bonne intervention, la passe est interceptée. Oui, il y a faute bien sûr, et qui seront accordés par l'arbitre. Excellent timing sur cette interception. Bien parti dans le dos. Alors je sifflé pour quelques centimètres. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Et c'est donné en profondeur. Et bon arrêt du gardien. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre siffle la mi-temps ici. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Bien défendu. Ah, la défense concède le corner là-dessus. Pourquoi pas, ça joue court. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué hein, vu la trajectoire de cette frappe.
la récupération du ballon. Le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Oui, il s'est bien fait, il est passé. C'est pour le gardien, sans problème. L'absence d'ambition offensive, ça ne te permet pas d'apporter de la créativité. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Et pas mal du tout cette passe. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. L'occasion de prendre l'avantage. Et non, quelle opportunité d'ouvrir le score dans ce match. Grand manque de sang-froid hein, sur cette situation. Pourtant très favorable. En tout cas, c'est complètement nouveau. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Intraitable à la récupération. Oh la grosse faute là, mais ça c'est carton rouge. Et c'est rouge, et peut-être le tournant du match. Effectivement, cette exclusion peut tout changer. Ballon pour une frappe. Et le gardien intervient sans plus de loi. L'entraîneur est équipé le corner. Et voilà le premier but. L'ouverture du score. C'est logique. Après la domination, sans partage. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner, et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Et pour finir, la conclusion de la tête, du début à la fin, c'est une action magnifique. Le match se débloque. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Bon, l'égalisation peut-être. Et ça heurte le montant, ça revient, c'est pas fini. Ah non, ça s'arrête là. Aval, elle a préparé ses liens avec la Ravelle, plutôt qu'avec le Varia. Le
nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ah, bien joué dans la profondeur. Excellente intervention. Le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande en tout cas de quelle idée. En tout cas, certainement pas de marquer vu la trajectoire de cette frappe. Bien anticipé, le ballon est intercepté. C'est toujours ce petit avantage d'un coup à défendre dans les 5 dernières minutes. Et non, là c'est un hors-jeu. Et le staff décide donc de faire un changement. Récupération du ballon. Et le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et la récupération du ballon. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. Cette équipe a eu pas mal d'occasions.